Allez. Bonjour. Ah bah voilà quoi, ça fait 2-3 jours que je l'ai mise. Bonjour et bonne rediffusion à vous YouTube. Bienvenue. Puis la semaine dernière, Cyril a remis la couette sur le lit, mais c'est ouais, au moins depuis le début de la semaine que je la remets sur moi. Fait froid. Enfin, moi j'ai froid. Bon alors, c'est pas ce bouton-là. Donc, on est là, dans le hall de réception. On a fait ça. Là, je suppose que c'est une porte où il n'y a rien. Là, tout a l'air ok. Et là, c'est fermé. Objectif, quitter le studio. Donc, quitter le studio, du coup, faut que j'aille là. Mais du coup, faut que je retraverse tout parce que je vois que ici, on n'a rien, on n'a pas de porte. Donc, du coup, faut que j'aille ici ou ici. Allez. Donc là, du coup, je fais ça. Ah non, c'est ouvert. Bah, je vais quand même fouiller parce que j'en sais rien. Non, on continue, on fouillera plus tard. On fouillera à la fin. Fais un peu l'histoire, là, mamie. Doucement, Alan. Ce spectacle auquel s'adonnait l'entre-noir, il m'était vraiment destiné. Mais je n'avais aucun contrôle sur lui. Je savais combien j'étais perdu. Et en fait, il n'y a pas des trucs à mettre là-dedans. Bon, du coup, j'ai des trucs dans la radio. Par contre, sur la carte, attends, j'ai vu un truc là pas loin, c'est ça? Dans vers où tu regardes, il y a un truc. Comment ça marche de faire ça? Péter le point de vie. Répondre au téléphone. Ah, c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Et où le téléphone? Ah bah il est en face de moi. Le téléphone sonnait encore. L'appel mystère recommençait. Je devais enquêter.
Et moi ça va, je suis au chaud. Non, je suis pas Comment je pourrais quitté. savoir? Vous vous foutez de ma gueule et vous ne voulez pas me dire qui vous êtes. Vous vous souvenez? Vous... Oh, bordel. Alan, écoutez. Dites-moi de quoi vous vous souvenez au juste. Vous êtes allé à Parlamentoa? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Ouais. Alice est en danger. Grincement essaie de l'atteindre et il y a un autre manuscrit. Pas Initiation, Return. J'ai vu la page de titre. Je me souviens pas l'avoir écrit. Return? Bon sang, c'est exactement ce qu'on cherche. Grincement peut pas l'avoir. Notre survie et la survie de tout ce putain d'univers cosmique en dépendent. Venez me voir à l'hôtel Ocean View. Je vous ai laissé la clé de ma chambre. Elle est sur le téléphone. Rappelez-vous, l'entre-noir n'est que boucle et rituel. Si les vagues vous éloignent de la rive, vous devez trouver une autre façon d'entrer. Nous suivons le mouvement de cet océan. À bientôt, mon frère. Bon, bah voilà, hein. L'hôtel Ocean View. Une invitation suspecte à un rendez-vous très louche. Un décor parfait pour le genre polar dans lequel baignait toute la ville. Je crois qu'ils avaient mis quelque chose là-dedans. Bon. Donc on est dehors. Il faut que j'aille où là? Piu piu piu. La plan inconnue à l'automne. À l'hôtel Océan View. Hôtel. En face de toi, mamie. Ah ouais, c'est écrit en gros que tu n'avais rien vu encore. On va faire un peu l'histoire et puis si on débloque des trucs, on débloque des trucs, mais je me focus pas dessus. L'hôtel Ocean View, ma destination. Il y en a qui ont prévu des choses ce matin. Trouver la plainte inconnue. Qui m'avait renvoyé dans la rue. Qu'avait dit la voix au téléphone? Si les vagues ne cessent de te repousser, tu n'as plus qu'à trouver une autre entrée. Avec seulement une logique onirique pour rejoindre l'hôtel, je me repérais aux enseignes lumineuses. Mirror Peak. Et où ton enseigne lumineuse Mirror Peak?
L'histoire que je concevais était fragile, constamment menacée. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'ombre noire n'était qu'à un pas derrière moi. Coucou Kaiwan. Les gars, les croissants sortis du four, chouette! Tout le monde à table! C'est Cookie qui fait le service. Je fouille, mais pourquoi je trouve rien? C'est vous, le tueur, le gourou de la secte. Ça se voit dans vos yeux. Non! Courage, Cookie! C'est grincement! Il n'y a pas de temps à perdre! Je n'irai nulle part. J'étais crevé. Je voulais juste que ça s'arrête. Tout était de ma faute. J'avais eu l'entre-noir dans ma tête trop longtemps. Toute cette putain de merde. Et comment va, monsieur Kawan aussi? M'arrivait d'oublier la douleur comme si c'était une chose parfaitement normale. C'est du délire, non? C'était l'inverse. Je n'étais pas dans l'entre-noir. C'était moi, l'entre-noir. La source de tout, le conduit. L'auteur et moi, on était pareils. Ce lieu ne cessait de m'enfoncer. S'insinuait dans ma tête. M'empoisonnait de ténèbres. Je devais trouver un moyen de m'enfuir avant qu'il soit trop tard. Encore une fois. Ah, chambre 665, pas 666. Bah voilà, on l'a encore tué. Pour l'instant, j'ai rien raté.
Il m'a fait faire le tour chelou, bizarre. Vas-y, il voulait que j'aille par là alors. T'es en train de me dire que là, va falloir que je continue à... Oh la vache. Courage, petit coquille. Elle est vide. Pourquoi tu mets des caisses si elles sont vides? C'est quoi cette musique d'énervée là? Bien sur ma carte. J'ai une pub pour être cœur de Yuga, soyez le cœur de la justice, devenez surveillant. Oh là 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 là. Salut Nounou. Salut Nounou Liam.
Y'a rien à ramasser là-dedans. Mais du coup, là, ça me sert à rien. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ça va, Liam. Et toi, comment ça va? Mais si, mais il y a un truc là. J'ai pas vu la porte. Et là, il y a un truc là que j'ai pas vu non plus. Pas courir. C'est où l'endroit que j'ai pas vu? Déjà, c'est de l'autre côté du mur. Bon, du coup, je suis un peu con, je trouve pas. Bon, on va dire que c'est on s'en fout. C'est comme ça que ça marche! Bah, faut peut-être que j'arrive à comprendre depuis le temps! Come on.
Attends. Je suis où là? Bon, on va dire que c'est pas ici l'écho. S'il est là, l'écho. Mais je sais pas où le mettre. Peut-être que je dois le voir d'ailleurs. Je vais quand même revérifier en bas là. Bon, j'en sais rien. Elle est sage, hein. Fais pas de bruit, hein. Vous allez vous endormir, là, si ça continue. Mais je veux la déverrouiller ta porte là. Je pense que c'est en étant ici que je pourrais peut-être faire ça.
Bon. Cette ville nous dévore. Là y est, je l'ai eu. Si jamais on s'y attarde trop, on devient une âme perdue qui erre dans les rues, dans les ruelles. Une ombre estompée qu'aperçoit un autre pauvre type en bonne voie pour le même destin. Les rêves brisés deviennent un miroir brisé, et l'image tordue qui nous est renvoyée contient tout ce qu'on a réprimé. Colère, regret, remords, honte. Ce monstre auquel on ne peut jamais échapper. Bon, Casey. Je sais pas combien de fois on l'a tué, lui. Elle est là. Voilà, ça c'est fait. Et puis après, on va aller voir. Encore, j'ai encore un soin. La télé. Bon allez, hop. Et du coup, je l'entends fredonner partout l'autre là. Pardon, vous êtes qui? Je blague. C'est bon de vous voir, Tim. Vous m'avez bien eu. J'ai encore tout cassé. Alors... Portée disparue en 1998, âge pas vieilli, longévité pas humain, alien, magique, oncle Frank en saurait plus, mais il est mort. Son vrai nom, sans se cacher, Remember. Rappel, j'étais à la morgue sur le point de donner la preuve au FBI, ça m'a transporté, oui. Qui, où, pourquoi, raison, pourquoi, moi. Quel est cet endroit? Un rêve, on dirait. Ce n'est pas réel, pas de lieu, partout, les lieux, n'importe où. Maintenant New York, mais pas le vrai, un chemin vers d'autres lieux, un point de jonction. Porte en est-il le gardien ou essaie-t-il d'aller quelque part? Partout, porte, entrée, portail, port, ouverture, accès, fenêtre. Youp! Fait, temps manquant, pas de souvenirs. Jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai toujours fini ici? J'oublierai quand je sortirai. Enlèvement, alien, porte, ovni, polyèdre. Rêve, moi mais pas moi, d'autres que je connais mais différents. La femme aux cheveux roux, point d'interrogation. Piou 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 piou.
L'entre-noir, hop. Bonjour, Tim. Au fait, vous savez qu'aujourd'hui encore à Bright Falls, tout le monde ne parle que de votre disparition. Enfin, de ça et de l'affaire du cerf. C'est ici que vous avez atterri en 2010. Vous êtes au courant? Je suis le shérif de Bright Falls. Enfin, j'étais. Vous avez un lien avec Sarah Breaker. Vous avez un lien avec Sarah Breaker? C'est elle qui était le shérif de Bright Falls en 2010. Ouais, c'est ma cousine. J'ai fait faire le portrait robot de Porte d'après mes rêves. Je l'ai communiqué et Sarah a dit qu'il figurait dans un vieux dossier des années 80. Je suis allé sur place pour enquêter et je l'ai remplacé quand elle a intégré le FBI. Et la fête du cerf existe encore? Oh que oui, et elle a pris de l'ampleur. Mais j'ai atterri ici juste avant qu'elle ne commence. C'est drôle, moi aussi. Mais personne m'a répondu, vous avez prévu quelque chose ce matin ou cet après-midi? Ou juste faire de la fainéanterie? Quoi dans le dossier de Porte? En réalité, peu d'infos. Un type du coin, Warlin Porte, a disparu près de Cauldron Lake. Des témoins ont déclaré qu'ils l'avaient vu prendre la foudre et puis... plus rien. J'ai trouvé aucun dossier officiel sur un Warlin Porte habitant en ville, ni nulle part. Encore une fausse piste. Ouhou, duel d'Elden Ring. En live pour Liam. Mais c'est tout, il n'y a plus rien. Bon. Du coup. C'est bon, mais tu m'as refoutu des trucs partout là, du coup. On a déjà été là ou pas? Je sors. Je prends le grillage et je redescends. Et je retourne tout en bas. Non mais on m'agresse pas comme ça, toi. Attends, je suis picleuse, moi. Mais je m'en éloigne du truc là. Ouais.
Oh, j'étais pas du bon côté du truc. Et après, du coup, j'avais quoi pas loin? Donc ici, j'ai un truc, mais... Je peux pas grimper là de toute façon. Mais oui, mais je le vois qu'il y a un truc là. On l'a eu. Courage à toi. Courage à toi, Liam. Si t'es motivé. Oh, je pourrais pas, moi. Bon, allez. On retourne là-haut. Bon, après, là j'ai fait la lumière, ok. Mais j'ai rien ici. Je sais pas ce que ça change d'avoir ou pas la lumière.
je pouvais voir l'hôtel Oceanview. J'approchais du but. Qu'est-ce que ça me change du coup ? La lumière changeait ce que la porte cachait. Bon, du coup, il va falloir que je sois en bas pour regarder ça. Est-ce qu'il faut que je retire la lumière pour avoir quelque chose ici ? Et si je fais ça ? Là, j'ai un escalier. Allez, je l'ai eu. Là-dessus, Siliam. Augmente la zone d'effet. Augmente l'efficacité des pansements. J'avoue que j'en sais rien, là. Bon. Alors, on en est où ? On a fait le truc. J'ai l'écho qui est là. Mais il était en l'air, l'écho, non ?
Peut-être je verrai d'en face. La retraite, puis la fuite. Quitter toute cette misère et cette terreur sans se retourner. Monter en bagnole et conduire jusqu'au crépuscule, là où le soleil se lève encore. Se poser, acheter une maison, la rénover. Construire une vie, trouver quelqu'un. C'est une utopie, ça finirait mal. Si jamais on espère, c'est encore plus difficile à vivre. On peut faire quitter la ville à un autre. Mais la ville ne quittera jamais son cœur. Du coup, on a tout fait, sauf que bah il me reste une grenade, mais bon. Un hiver à la grenade, hein. Vous avez trouvé un épisode de Zonix. Ce contenu facultatif. Le menu du bar attira mon regard. Manhattan, Lake on the Rock, Shotgun. Faut que j'ai un 19$. Faut que je cherche 19$ pour trouver le shotgun. Truc chelou. J'aurais dû lire correctement. Une jeune femme bien décidée à sauver un être cher, tentant de devancer les agents gouvernementaux douteux à ses trousses. Des membres de l'agence même qui lui a pris la personne qui est tout. Dans sa quête, elle est guidée par un mystérieux être, son ange gardien. Sa bonne étoile lui montre le chemin, comme elle l'a toujours fait. Elle ignore quelles étrangetés la guettent, tandis qu'elle suit sa fidèle lumière jusqu'à la petite ville de... Zone X. Ce soir, un épisode onirique. L'étoile polaire. Étoile poulet, ok. Les choses vont devenir bizarres. On n'y échappera pas.
L'univers est beaucoup plus complexe et étrange que ce qu'on pense. Mon frère et moi, on le sait. On l'a vu. On t'a vu. Mais il y a des personnes, disons des agents, qui font tout pour nous empêcher de voir au-delà des apparences. C'est pour ça qu'ils ont pris mon frère. Et qu'ils m'ont couru après toute ma vie. Mais j'en ai assez de m'enfuir. Ok. Tu crois qu'un truc ici peut nous aider ? Quoi ? Les chiffres ? 238 alors ! Du coup ça bouille sur 238 ! J'ai réussi à trouver l'agence gouvernementale qui a pris mon frère. Jusqu'à maintenant. Tu m'as aidé à trouver cet endroit. Maintenant, tu vas m'aider à trouver mon frère. Pas vrai ? Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Un bar à café. Cet endroit me donne vraiment envie de boire du café. En même temps, c'est le but. C'est quoi ces machins ? Ce serait bien par contre d'avoir une petite sauvegarde parce que j'ai pas vu l'heure. De toute façon, à mon avis, je vais pas où les ombres sont. Dans un parc d'attractions. Pas de cassette. De toute façon, je suis pas venue ici pour regarder des films. Belvédère ? Tu crois qu'on devrait y aller ? Madame ! Là ! Venez dans la lumière ! Il déteste la lumière. Vous devriez pas être là. Comment vous avez pu entrer ? Merde. Un flic.
dois mentir. Disons que je me suis faufilée. C'est pas ce que vous attendiez, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ces espèces de... d'ombres? Je suis ici pour tenter de le découvrir. Le gouvernement a mis quelque chose dans le café. Ça transforme les gens en monstres de café. Le gouvernement? On parle bien de l'agence gouvernementale qui me traque depuis des années? C'est un truc dans le café qui produit ça. Vraiment. Il m'a fallu du temps pour pouvoir l'admettre aussi. J'ai d'abord cru... Je sais plus ce que j'ai cru. Mais là, j'en suis sûr. C'est de la science de l'état profond. Ah la vache. Je recherche une personne. Mon frère. Vous avez croisé quelqu'un? Seulement vous, à part les monstres. Désolé, madame. Ils ont aussi enlevé des gens de zone X. Je suis là pour tous les sauver. Vous allez devoir partir. C'est dangereux ici. Je ne partirai pas d'ici sans avoir trouvé mon frère. Je peux comprendre. Il y a un entrepôt après le parc. Il est fermé. Il y a une sécurité moderne du gouvernement, mais leur interphone est foutu. Je pense que c'est là qu'ils retiennent les gens enlevés. Il y a un pistolet et une lampe torche sur le banc. Je préférerais que vous les preniez. Ok. Ces monstres n'aiment pas la lumière. Et quoi que vous fassiez, surtout, ne buvez pas de café. Et je fais comment pour sauvegarder si je bois pas de café? Mode employé. Veuillez tenir compte des modifications liées au changement de direction. Dorénavant, Coffee World sera ouvert uniquement la nuit. Cela permet d'attirer de nouveaux clients. Le personnel devra en mettre... en avant notre nouveau café, noir comme le néant. À ce sujet, nous aurons demain une dégustation spéciale destinée aux employés. Présence obligatoire, venez avec vos amis. Personne disparue, avez-vous vu cette personne? Jacob Felmson, âge 52 ans, masculin, 1m80, 82 kg, vu pour la dernière fois en randonnée dans le parc national de Zone X. 18 septembre, la compagne de Jacob Felmson a déclaré qu'il avait été vu pour la dernière fois alors qu'il se dirigeait vers le parc national de Zone X aux environs de 11h30. Felmson était vêtu d'un t-shirt noir arborant le logo d'un groupe de rock, d'une chemise à carreaux, d'un jean bleu marine. Si vous l'apercevez, contactez le bureau du shérif. T'avais sûrement le t-shirt de papy? Le café Triangle Noir est si fier de présenter Nuit Étoilée. Les nuits sont froides, mais le café est chaud. Cette semaine, Coffee World sera ouvert que la nuit. Venez en famille ou avec vos amis pour vous amuser sous les étoiles. Rejoignez-nous. Rejoignez la percolation. Et j'enregistre comment si je peux pas prendre de café? J'ai une carte ou j'ai pas de carte, là? Elle a pas d'entre mental, du coup, elle a pas de carte. Allons voir l'entrepôt dont parlait le shérif. T'es toujours avec moi? Bonne nouvelle. Salle de dégustation.
En face du bar à café. J'aimerais bien enregistration, s'il vous plaît. Elle est encore un peu énervée sur la gâchette celle-là, mais bon, c'est pas grave. Ça doit être l'entrepôt. Mais comment je peux y entrer ? Salut, j'aimerais pouvoir entrer. Passe partout, retire. Pardon, je l'ai perdu. Passe partout, retire. Ah, putain de machine. Passe partout, non valide. Acceptez-vous de répondre aux questions de sécurité ? Bien sûr, quelle est la question ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Réponse incorrecte. Café ? Réponse incorrecte. On va devoir trouver la vidéo d'orientation. Mais j'aimerais bien sauvegarder. J'ai failli me faire me tromper. C'est quoi ça? Pas trop à quoi ça sert.
T'as pas un coin de sauvegarde, toi? Je vois que vous êtes saine et sauve. Il manquait une cassette vidéo au bureau d'accueil. Le mot de passe que je recherche doit être dessus. Vous l'auriez pas vu, par hasard? Si, je l'ai vu. Mais cette cassette est pleine de trucs pour retourner le cerveau. Je l'ai un peu regardé et... ça a eu un effet sur moi. C'est dangereux. Il ne faut pas la regarder. J'ai besoin de cette cassette, shérif. C'est justement comme ça qu'il nous coince. Mais bon... si vous la voulez vraiment, je l'ai cachée dans la grande roue, tasse numéro 4. Prenez cette clé. Mais je vous aurais prévenu. Aïe, 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 aïe. Je crois que je vais finir par couper le live comme ça et puis pouf. Ou alors ce que je fais, hop, on va faire une pause. Donc je vais couper la vidéo pour YouTube et je vous mets la fin juste après. Merci de nous avoir regardé YouTube. À bientôt, prenez soin de vous. Des bisous, bye bye.